chaud. Et c'est allez, parti avec Godiot pour Didier Godet ou Dabert. C'est chaud, c'est chaud. Il faut pas s'accrocher surtout et c'est Dabert qui va faire le. Non, 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 il va trop large, il va trop large. Et attention, Julien Colomban qui est revenu à la hauteur. Ils se sont échappés, ils sont trois. Allez, Julien, attention, Julien. Julien Colomban et à l'extérieur, Marc Germain qui revient. Romain Gioff qui est là aussi. Et il m'a semblé apercevoir Franck Brancy qui était pas loin. Sylvain, vraiment délicatesse avec la moto. Ouais, ça va pas la moto. Regarde comme ça glisse. Ah ouais, ça glisse. Empilage, là. Oui, on a Sébastien Valla qui a été pris dans l'empilage et qui a réussi à s'en sortir. Et pour l'instant, allez, le petit Julien Colomban 2. Hein. Ouais, ben oui. Attends. Oh, Sylvain. Et partons. Ah, Maxime Emery, ben, je ne le vois pas. Il, non, est, il doit être 6 ou 7, un truc comme ça. Écoute, allez, on va Vivien Gonnet, ça se passe pas mal. Ah, ben, déjà, lui, tranquille. Ouais, Gonnet, tranquille, avec une seconde d'avance sur Colomban. Marc Germain Maxime Joff, Duvert, Maxime Emery. Ah oui, c'est chaud, là. Emery, 7e. 7e, Maxime Emery, devant Franck Grancy, Randy Le Punier. Mais pour l'instant, le leader de cette AMD Cup est en train une nouvelle fois de se balader. Et comme elle motrice son excellent là, c'est impressionnant. Ouais. C'est incroyable. Voilà. Vivien Gonnet, vous le voyez, qui ce coup-ci ne fait que de la moto, il ne fait pas la voiture, hein, comme il l'avait fait à Serge Chevalier. Et puis attention, hein, parce que là, on est en train de jouer le podium de la journée. Et Marc Germain a fait 4 la première. Et là, il est 3, donc il va finir, si ça reste comme ça, Dabert expulsé du podium. Ah ouais. Ouais, remarque, ça serait sympa d'avoir Marc Germain sur le podium. Ah bah, mais... On l'a déjà eu à Serge Chevalier, exactement. Il se débrouille bien. Ah ouais. Et peut-être ça lui donnera envie de faire une saison complète un jour. Allez, Sylvain, là, il ne faut pas lâcher l'affaire. Ah ouais, mais... Il n'est pas loin, mais bon, il est vraiment en délicatesse avec la moto. C'est visuel. Hein. Il y a... Et il attaque, hein. Je peux dire qu'il se donne. Que... Et Marc Germain, seulement à 6 dixièmes de Julien Colomban. Dabert à 2 secondes déjà. Et Maxime Emery, toujours 7e à 6 secondes. Ah ouais, mais. Et super Julien Colomban, pilote Radical Moto. Oui, impressionnant. Julien Colomban là qui a failli faire énormément progresser cette année. Ouais. Julien. Ouais, mais tu te souviens, il y a quelques années, quand nous étions presque jeunes, avec son frère Loïc, j'avais une belle équipe avec un certain David Baffleuf. Ouais, Loïc l'avait gagné. Loïc Colomban avait gagné son frère. Exactement. Ah, puis il est à l'aise, regarde, hein, Vivien Gonnet ne lâche pas. Non, non, non. Sylvain derrière, ça s'emploie à remonter, mais bon. Bon là, qu'est-ce que tu penses qui se passe dans la tête de Vivien en ce moment ? Il dit j'assure ou il continue comme il avait dit ? Non, il se passe pas. Il m'a dit voilà. Général, je roule. Il est arrivé hier, il m'a dit j'ai même pas regardé les points d'écart et tout. C'est ce qu'il faut faire exactement. C'est, si tu commences à calculer, c'est mort. D'accord. Bon, puis en plus, il est vraiment au-dessus du lot, donc. Ah, cette année, oui. Ça aide aussi. Cette année, il allez, est. Sylvain, oh là là. Le double champion de France de course sur glace est très à l'aise cette année. Et puis, de toute façon. Tout le monde sera content si il coiffe la couronne Oui, ça change un peu. Dis donc, je ne sais pas combien il a de place de vice-champion. 3 ou 4, je ne sais plus. Il en avait accumulé pas mal. Donc, c'est une juste récompense, mais ce n'est pas fini. Ah non, c'est pas fait. Hein. Jamais avant la dernière arrivée de la dernière finale cet après-midi. On vous rappelle qu'il y a 30 points au vainqueur, 25 points au deuxième. Donc, vous voyez, une place de deuxième, déjà, ça fait 5 points de moins. C'est terrible. Alors qu'on a une belle bagarre là entre Marc Germain, me semble-t-il. Et Sylvain qui est revenu là, Sylvain, il lâche pas l'affaire. Hein. Ça on peut lui faire confiance à Sylvain. Ouais. Il est derrière. Allez. Ah mais il ne trouve pas l'ouverture. Hein. Il trouve pas l'ouverture. Il y a peu d'écart entre les deux. Il y a un dixième d'écart entre les deux pilotes. Mais il n'arrive pas à trouver pas l'ouverture. Loin, pourtant, non mais ça va pas. Hein. Ça glisse beaucoup. Hein. Magnifique Romain Gioffre. Hein. Ah oui, deux fois cinquième, je te dis, c'est vraiment un belle pilotage enduriste propre. On est à mi-course. Sur les intérieurs. Allez, Sylvain, il va tenter, regarde. Ah, si, c'est bien pour Sylvain. Là, il s'est raté, Marc Germain. Là, il est passé. Il est bien, passé, Sylvain. Super Dabert. Sylvain. Mais attention, on va se retrouver. Oh là là, ça balaye, Marc Germain derrière. Ouais. Il fait balayeuse en même temps. En même temps, oui. Oui, parce qu'il y en a, on en choisit 3 sur le groupe pour qu'il balaye un peu la piste pendant la course. Non, je peux te dire, c'est impressionnant quand tu perds la moto en pleine ligne droite, c'est un peu chaud. Ça, c'est sûr. Allez, bon, là, Sylvain, s'il fait pas de bêtises, ça devrait. Ouais, Marc Germain, il reste quoi ? 4 tours ? Ouais, 4 tours. Ouais, mais c'est pas. Eh bah, tiens, regarde. Et hop, voilà. Là, hop, oh lol. Ouais, Marc Germain. Qu'est-ce qui se passe, Marc Germain, là ? Ouais, il s'emploie. Il a crevé ou quoi ? On lui avait pas demandé de nettoyer l'état, lui, bah, non. Normalement, on n'avait pas demandé ça. Hein. Non, mais c'est incroyable. Hein. En l'espace d'un tour et demi, là, il est en train de perdre la moto dans tous les virages. Il échappe la roue avant. Sylvain, il est chaud. Magnifique, hein. Belle opération, on ne pourra pas lui enlever. Germain, puisque il est quand même à 2 secondes derrière Julien Colomban. Ouais. Mais il reste 3 tours, hein, donc c'est pas fini l'affaire encore. Quand on connaît la pugnacité de Sylvain Dabert. Allez, Sylvain, on attaque. Il retarde les freinages, il fait tout ce qu'il peut pour. Romain Gioff, il a crevé. Ouais, moi, c'est ce que je pensais qu'il a crevé, c'est pas possible. Regarde ça, il n'arrive pas à tenir la moto. Il n'arrive pas à tenir la moto, Marc Germain, ça n'a pas l'air d'être percé. Mais il a du mal. Gioffre, me semble-t-il, va revenir. Il perd le podium. Là. Ah oui, il est en train de perdre le podium. Bizarre, ouais.
Mais Romain Jouffre et Romain Noël Duvert aussi. Super course de Noël Duvert. Ah oui, la TM, elle marche. Hein. Ouais, ça envoie. Hein. Ouais. Il a changé de moteur à toutes les courses, mais. Allez, on va faire un petit point quand même sur le classement. Je ne sais pas si les internautes l'ont, non ça... Non, je ne crois pas. Ils l'ont tour par tour. Allez, ouais, donc Vivien Gonnet, Colomban, Dabert, le podium. Voilà. Colomban. Oh, la remontée de Sylvain. Ah ouais, c'est incroyable. Impressionnant, impressionnant. Il est deuxième en bagarre en ce moment avec Julien Colomban. On retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure dans la finale. Allez, ça se bagarre tous les deux. C'est chaud. Colomban et Dabert. Dabert, c'est le 37. Colomban, c'est le 17. Allez. Magnifique, hein. Ouais, là, Sylvain, il est revenu de nulle part. Hein. Ah ben oui, il a fait 6 secondes tout à l'heure. Mais regarde, il s'accroche, Julien Colomban, là. Alors, dans la descente, on va encore avoir un freinage extraordinaire entre Sylvain Dabert et Julien Colomban pour la deuxième place de cette super finale. Ça croise, ça décroise. Ça décroise, mais pour l'instant, tout va bien. Ah, la Sherco, quand même, glisse un petit peu plus que Luxe Bernard. Allez, puis un petit point sur Maxime Emery aussi, qui va perdre sa troisième place au général, Colomban. Septième, c'est fou. Oh là là, Sylvain Dabert, là. Mais attention, il a décroché un peu. Oh là 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 là, c'est chaud la bagarre. Magnifique. Hein. Oh, ils se tirent une bourre, les deux, là. On va rentrer dans le dernier tour. Attention, lorsque les pilotes regarde, Vivien Gonnet, il est pas loin devant. Hein. Ouais, Vivien Gonnet, il est à 2 secondes, quand même. Ouais, mais bon. 2 secondes, on va rentrer dans le dernier tour. Remontée météorique de Sylvain Dabert. Oui, mais il n'est pas loin devant, hein, Vivien Gonnet, parce qu'il est en train de doubler les attardés. Ça, il perd un petit peu de temps sur ce coup-là, alors qu'il va rentrer dans le dernier tour. Là, nous sommes dans le haut du circuit. Ouais. Maintenant, on plonge vers la dernière épingle avant la ligne d'arrivée. Là, voilà, cette épingle, on a aperçu Vivien Gonnet. Il va donc rentrer dans son dernier tour. Le voilà, Vivien Gonnet, il va passer dans quelques instants sous la passerelle. Allez, dernier et tour. On va lui signifier que c'est son dernier tour. Le voilà, dernier tour pour Vivien Gonnet, avec une avance d'à peu près 2 secondes normalement, sur 1 seconde 8 sur Sylvain Dabert, 2,9 sur Julien Colomban. Sylvain Dabert qui a décroché Julien Colomban maintenant. Et à la troisième place, on va retrouver Marc Germain ou Romain Gioff. Eh bien, c'est Marc Germain qui a conservé sa quatrième place. Et il n'est plus là, Romain Gioff. Duvert l'a passé. Gioff est sixième maintenant. Super course de Noël Duvert. Noël Duvert qui avait gagné au Stade de France une année. Avec la TM, Et là, il est en train de faire une super finale, une terrible. Allez, Vivien Gonnet, attention au frein. Allez, regarde Sylvain. Sylvain, il est. Oh là là, mais il va tenter une attaque. Eh ben oui, il va tenter une attaque, Sylvain, allez. C'est le dernier tour. C'est le dernier virage. Mais cette remontée. Et Vivien Gonnet va s'imposer. Ouais, super. Voilà. Vivien Gonnet qui s'impose en vous saluant sur la roue arrière devant Sylvain Dabert. Extraordinaire. Extraordinaire, Sylvain. Qui revient à quelques dixièmes. Allez, 9 dixièmes, vous le voyez. Troisième, Julien Colomban. Ah, dis donc, ça va nous faire un beau podium, ça. Magnifique. Ça va nous faire un très beau podium. Allez, Sylvain Dabert, voyez, c'est ça que j'adore, la sportivité, les mecs qui se saluent, ils se serrent la main. Ah ouais, ça c'est absolument génial. Bah, dis-moi, le classement général, 5 points de plus là. 5 points, donc de rien 8 pour, 5, 13, il en a pris 13, donc il en a 34 d'avance. Voilà, 34 d'avance, on le saura peut-être lors de la première superficie.